Good morning, allez, Idan Netsus, aujourd'hui, le Nishmat, Avram, Chayin, Robert, Ben Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, Yedida, Bet Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, connectez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sefer Tevkhin, Perikret, Mishnah Dalet. Macharim, Adam, Mitsuno, Umi Bekaro, Me Avadav, Umi Shifrotav, Aknaanim, Umi Sede Achuzato, Veim, Echirim, Et Kulan, Einan, Mochramin, Divri Rabbi El Azar, Amar, Rabbi El Azar, Ben Azaria, Maim, Lagavoa, אין אדם רשאי לאחרים כל נכסיו. על אחת כמה וכמה שאדם חייב להיות חס על נכסיו. On débute dans notre Mishnah un tout nouveau sujet. On continue dans le Perek, dans le dernier Perek de Vaïkra, dans les Chukotai. Il y a là-bas, on se rapproche de la fin de la parasha complètement. Il y a là-bas deux versets, un qui m'intéresse surtout, qui parle du Cherem. Littéralement l'anathème. En hébreu moderne, l'achrim, ça voudrait dire, boycotter, confisquer aussi. Ça se traduit comme ça, mais concrètement, dans la Torah, l'achrim, c'est de faire un anathème, je sais pas comment dire, blâmer, réprouver. Quelqu'un qui se fâche, j'imagine que c'est dans cette situation que ça arrive, quelqu'un qui s'est fâché avec sa voiture, avec son champ, il a dit, ça y est, j'en fais un anathème, je le réprouve, je le blâme, j'en veux plus. D'accord ? C'est une notion qui existe dans le monde entier. Dans la Torah, il y a un chinour très joli qui parle de ça. Et dans la Torah, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on veut donc blâmer un bien, l'éloigner, le réprouver, alors la Torah l'a donné dans la religion précise, elle a dit, sache que il ne va pas devenir lui-même interdit à en tirer profit. Toi, tu n'auras plus le droit d'en tirer profit, c'est vrai. Mais on va en faire cadeau soit au Beth Amikdash ou soit au Kohanim, selon le cas. C'est ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah. D'abord, je vous ai dit que j'allais vous trouver le pasouk. Il faut que j'aille dans le détail. Et j'y suis. Et à là-bas, Ar kol cherem asher yacharim ish lashem mikol asher lo me'adam uvehema umisede achuzato לא ימחר ולא יגאל, כל חרם קודש קדשים הוא לשם. Je traduis, ah, kol cherem. Cependant, tout anathème, asher yacharim ish lashem, qu'un homme voudra être macharim, il voudra réprouver, mikol asher lo, de tout ce qu'il possède, mais Adam, parmi les hommes, ou vehema, les animaux, ou misdé achuzato, encore même son champ qu'il a hérité. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, quand tu auras prononcé l'interdit, quand tu l'auras donc réprouvé, interdit, eh bien, sache que dès lors, loimacher veloigael, tu ne pourras plus le revendre, ce champ, parce que ça y est, c'est fini, tu l'as exclu. Veloigael, il ne sera plus libéré. Mais qu'est-ce que tu en feras? Eh bien, kol cherem kodesh kadashim hu lachem, tout cherem, donc tout bien réprouvé, Kodesh Kadashim ou Hashem, il sera sanctifié en l'honneur d'Hashem. Et le Barthénora nous rapporte plusieurs détails. On apprendra exactement Stam Haramim que c'est pour les Kohanim. On apprendra tout ça dans la prochaine Mishnayot que le bien il reviendra donc soit au Kohanim ou soit au Beth Amikdash, selon le cas. Pour le moment, la Mishnah introduit ça de manière très générale en me disant Macharim Adam Mitsono ou Mibekaro. Un homme peut blâmer, réprouver, donc prononcer un anathème, mitsono de son bétail, ou mi bekaro de son gros bétail, le menu bétail ou le gros bétail, les bovins et ovins, mais avadav ou mi shifrotav akinanim, parmi aussi il peut même sanctifier, enfin exclure comme ça, ses esclaves ou ses servantes, ou mi sedar ou encore son champ, comme c'est explicité dans la Torah. Veim echerim et kolam, maintenant la Mishnah continue en me disant, sache que s'il a tout blâmé, réprouvé comme ça, tout ce qu'il a, alors, Einan Mochramin, le statut d'anathème ne sera pas, n'entrera pas en vigueur. C'est-à-dire, si on m'a dit, j'ai le droit, si je veux, je peux prendre un esclave, deux esclaves, trois esclaves, et en faire un anathème, l'éloigner, comme ça, l'interdire. J'ai la possibilité de le faire. Mais à condition qu'il m'en reste aussi pour moi. Je ne peux pas, moi, gaspiller tous mes biens en faisant tout, en rendant tout un cherem. Je ne peux pas le faire. C'est déduit du pasouk, parce qu'on a vu, comme le pasouk nous a dit, Mikola Sherlo, de tout ce qu'il a,
parmi les hommes, parmi les animaux, ou parmi ces champs. Donc, tu ne donnes pas tout, tu donnes un petit peu, mais tu gardes aussi un peu pour toi. Comme ça, il explique Rabbi El-Hazar, ce que la Mishnah conclut en disant d'ivrei Rabbi El-Hazar. Telles sont les paroles de Rabbi El-Hazar. Le Bar Tenora rapporte que la Chachamim son Cholkim, Ven al-Chak Rabbi El-Hazar ben Azaria. Elle a l'échatri la loi Chavim et Kulan, avec les Mecherim Mochamin. C'est vrai que de pour tout le monde, il faut éviter, il ne faut pas le faire. Mais si tu l'auras, pour toi, prononcer l'interdit, eh bien l'interdit entrera en vigueur. Et la Mishnah continue en me disant Amar Rabbi El-Hazar ben Azaria. Rabbi El-Hazar ben Azaria, on déduit de là une leçon très importante. Maïm la Gavoa, si déjà pour le domaine du Beth Amikdash, ce qui appartient à Hachem, donc à son Beth Amikdash, eh bien la Torah te dit En Adam Rachaï la Harim et Kol Nechassav. Un homme n'a pas le droit d'être Machrim, de réprouver tous ses biens, il doit aussi s'en garder. Même pour faire une super grande mitzvah, de dire que je vais tout donner en l'honneur d'Hachem pour le Beth Amikdash. Non, tu gardes un peu pour toi aussi. Regardez comment c'est important de garder des choses pour soi, que même pour le Beth Amikdash, qui est quelque chose de très grand, la Torah est limitée. Alors, à la Chat Kama avec Kama, Sheye, Adam Racha Eliot, Chez Adam Chayav Eliot Chassen Chassav, n'est-ce pas à plus forte raison qu'un homme devra, donc à plus forte raison, de veiller à bien conserver ses biens, c'est-à-dire à ne pas gaspiller son argent. Et de là, on rapporte dans le Tosfot Dov, il nous rapporte la Gemara qui nous dit que Chachamim ont fait un décret même. Même lorsqu'on a dépensé pour faire des mitzvot, pour en faire de la tzedaka, tu donnes jusqu'au cinquième. Ah, mais basbez, allié basbez, yoter, mi chomesh. Celui qui va dépenser, il ne devra pas dépenser plus qu'un cinquième de ses biens, même s'il veut partager et distribuer son argent, il doit se limiter, il doit aussi en garder beaucoup. Garder son argent, c'est quelque chose de très important dans la Torah. On a un tafkid sur terre, on a des choses à faire, on a des mitzvot à faire, ça nous incombe à nous, et il faut bien faire attention à conserver son argent, pas pour être radin, c'est pas la question, ni pour aller se faire des vacances extraordinaires, parce que ça non plus, c'est pas qu'on a dispensé, non, il faut garder une part de son capital, gérer son portefeuille comme il faut, et le développer, c'est le shefa, c'est la bracha que Hachem t'a donné, tu dois le garder, et pour être à l'aise, et ensuite faire des mitzvot aussi selon ça, ça va de soi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.